la retraite en vue, préparez-vous à un parcours administratif semé d'embûches. Partir à la retraite est l'un des moments les plus attendus par certains. Mais, pour pouvoir en profiter pleinement, vous devez vous attendre à un parcours administratif semé d'embûches. Découvrez dans cet article toutes les démarches à suivre et les délais à respecter. Les étapes de la demande de retraite. Pour commencer, sachez que si vous souhaitez percevoir vos pensions de retraite, vous devez en faire la demande. Cela vous permettra de bénéficier de vos droits. Si vous faites partie des régimes de la fonction publique, il est fortement recommandé de la déposer au moins 6 mois avant la date prévue pour le départ contre 4 mois pour les salariés relevant des régimes du privé. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site dédié et compléter toutes les pièces justificatives par voie dématérialisée, entre autres, les deux derniers avis d'impôt sur le revenu, la copie de votre acte de naissance, mention marginale obligatoire, de moins de 3 mois, les 12 derniers bulletins de salaire ainsi que le RIB à votre nom. D'autres documents sont également à prévoir au cours de la procédure. Vous aurez bien évidemment besoin de vos identifiants France Connect pour vous connecter. Le cas échéant, il faudra créer votre compte personnel. Vous aurez tout simplement à valider les informations affichées. À noter que la procédure est différente pour ceux qui optent pour une retraite progressive. Vous serez amené à faire votre demande sur papier, suivi de l'état d'avancement des demandes. Les caisses auxquelles vous dépendez sont tenues d'accuser réception de votre dossier. Pour les salariés, l'Agirc Arco s'occupera de votre retraite complémentaire et l'assurance retraite se charge de votre retraite de base. Dans tous les cas, vous avez entièrement la possibilité de suivre l'état de l'avancement de vos demandes depuis le site des différents régimes qui s'occupent du versement de votre retraite. Mais c'est là que tout se corse. En effet, certains retraités subissent de nombreux problèmes comme les courriers sans réponse ou encore les erreurs dans le calcul de la durée d'assurance. Face à cela, les intéressés ne savent plus comment s'y prendre. Devraient-ils faire preuve de patience en cas d'absence de réponse? En clair, le manque d'informations laisse parfois les demandeurs dans le flou total. Prendre contact avec les services de l'assurance de retraite est également devenu un parcours de combattant. À l'issue de l'appel, une seule solution est proposée, la relance du dossier en cours. Au vu de la situation, certaines caisses de retraite ont adopté une alternative. Elles enclenchent des versements provisoires, une technique qui permet aux retraités d'avoir des ressources dans le mois. En somme, le parcours de la demande de retraite n'est pas un jeu d'enfant et pourrait avoir un impact sur le pouvoir d'achat des retraités.